Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 4 novembre 2020, 11h18, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans un monde vraiment perturbé, un monde vraiment à l'envers. On s'en va dans l'Himalaya. Imaginez-vous, Science et Avenir nous apprend que des boules de goudron sont retrouvées en quantité dans l'atmosphère de l'Himalaya. C'était publié, je pense, aujourd'hui, et oui, par Marine Benoît. Un grand nombre de particules de carbone brun, connues aussi sous l'appellation de boules de goudron, a été identifiée pour la première fois dans l'atmosphère de l'Himalaya. Elle pourrait contribuer à l'accélération de la fonte des glaces. On ne l'apprend pas, la combustion de biomasse commune, ou comme, pardon, celle des énergies fossiles, libère dans l'atmosphère des particules carbonées. Une fois tombées au sol, et notamment sur le manteau neigeux et gelé de nos montagnes, elles absorbent de la lumière et contribuent à accélérer la fonte des glaces. Sur le plateau himalayen tibétain, qui possède la plus grande réserve de neige et de glace en dehors des pôles nord et sud, il a été démontré qu'un type de particule appelée carbone noir pouvait être transporté sur de longues distances par le vent jusqu'à atteindre l'atmosphère de la chaîne de montagnes asiatiques. Dans la lignée de ces travaux, la présence d'un autre type de particules dans l'atmosphère himalayenne avait été supposée, sans avoir jamais réellement été prouvée, celle de carbone brun primaire, autrement appelée boule de goudron, dans une étude publiée mercredi 4 novembre 2020, donc aujourd'hui, dans la revue Environmental Science and Technology Letters. Une équipe de chercheurs chinois est enfin parvenue à mettre en évidence que ces particules se retrouvaient également dans la région. Les boules de goudron sont de petites sphères visqueuses composées de carbone, d'oxygène et de petites quantités d'azote, de soufre et de potassium, dont la taille varie entre 213 et 348 nanomètres. Après avoir collecté des échantillons d'air dans une station de recherche de haute altitude sur le versant nord de l'Himalaya, les scientifiques ont détecté, grâce à la microscopie électronique, que de la lumière était absorbée par des boules de goudron à l'échelle microscopique sur le versant nord de l'Himalaya. À leur grande surprise, ils ont constaté qu'environ 28% des milliers de particules présentes dans les échantillons d'air collectés étaient des boules de goudron et que ce pourcentage augmentait les jours où les niveaux de pollution étaient élevés. Cette pollution pointée du doigt par les chercheurs correspond à une zone de la plaine indo-gangétique où sont brûlés à grande échelle des résidus de blé. L'analyse de la configuration des vents et celle des données satellitaires a ainsi révélé que les particules relâchées par ce réseau dense de deux voyageaient jusqu'à la station de recherche himalayenne. Grâce à des calculs de modélisation, l'équipe a estimé que les boules de goudron déposées sur les surfaces glaciaires pouvaient contribuer à un effet de réchauffement important. Par conséquent, l'équipe recommande que le transport à longue distance des goudrons vers l'Himalaya soit pris en compte dans l'élaboration de futures simulations climatiques. Vraiment inquiétant, mais vraiment important.